Yo les refs, c'est Adnis, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture de l'ETB Fight Paradox Garde de Fer, la nouvelle collection Pokémon. Comme d'habitude, je fais mes ouvertures en live sur mon Twitch, donc n'hésite pas à me rejoindre, il y a le lien dans la description. Si jamais tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à lâcher un like ou bien même à t'abonner pour me soutenir. Et de plus, je suis partenaire avec la boutique MGS Shop, donc profite de 5% sur toute la boutique avec le code promo Adnis. On va partir sur la présentation de l'ETB Fight Paradox de Garde Fer. Du coup, on va retrouver les petites sleeves juste ici. En vrai, je suis honnête avec vous, les sleeves sont vraiment très très belles. Comme je l'ai dit, Garde Fer est un Pokémon que j'apprécie beaucoup en Paradox. C'est pour ça que j'ai pris l'ETB déjà pour commencer. Et les sleeves sont très très belles. Évidemment, dedans, on va retrouver les énergies, mais ça, on s'en fout. On a quoi d'autre? On a les petits séparateurs. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais les séparateurs sont magnifiques. Et pour une fois que j'aime bien des séparateurs, non, très sympa. Évidemment, on a les jetons, ça, on s'en fout. On a les dés, pareil, on s'en fout. Et là, ce qui vous intéresse, bien évidemment, c'est la petite carte promo Haute de Fer qui est vraiment magnifique. Je vais la sortir de son emballage. Je vais vous montrer ça un petit peu mieux à la caméra. Du coup, la petite Haute de Fer en carte promo, évidemment, c'est pas le Pokémon qu'on apprécie le plus de la série, mais la carte est vraiment très très belle. Évidemment, ce qui nous intéresse le plus, c'est les 9 boosters Fight Paradox et on espère sortir du gros hit. C'est tout ce qu'on veut. Là, ce qu'on veut, les gars, c'est une alternative et rien d'autre ou soit l'ère de Stalgama. Voilà, faut dire les termes. On va voir le premier booster. Je mets la première devant et on va être parti, les gars. Du coup, énergie, forgerette, charbandin, le flottillon, miasme, miasme, capsule énergie booster temps futur, hurle-queue, très sympa, haute de fer, ok, très bien, première reverse avec Onyx, la deuxième reverse Zébibron, et pour finir, une petite holo avec Roublenard. On enchaîne sur le deuxième booster, j'espère avoir une dinguerie quand même, énergie plante, Mordudor, j'aime pas ce Pokémon, Topico, ouh, Yajirachi, magnifique, Célutin, Noacier, Plumeau Maudit, Astronel, Premier Reverse, Fer de Terre. Ok, j'ai cru que c'était une AR. Gambex, et pour finir, un petit yo-yo en holographique. Bon, deuxième booster pas concluant. On enchaîne sur le troisième booster avec Garde Fer. Lui 100% on a un hit. Énergie, Natu, Remoré, Pitrouille, Nosferapti, énergie médicale, Candine, Scorvol, premier reverse, Xatu, une AR? Une AR pour commencer? J'ai choke? Terracruel en AR, la première. Bon, c'est pas le Pokémon qu'on voulait, mais magnifique. Et du coup, derrière, on sait, on a un petit Baojian. Et du coup, la première AR de cette ETB. Ouais, j'ai complètement détruit la carte. Hein. Magnifique. Oh, petite AR, ça régale. J'avais dit, dans celle de Garde Fer, il y avait un truc. Allez, les gars, est-ce que je suis pas un génie au final? On enchaîne sur le prochain booster. Ouh, je le sens bien, celui-là. Allez, énergie. Stalgama. Oh, est-ce que c'est un signe? Monorpal. Hippotrempe. Statitique. Forgelina. Fermite, Urne Terrestre, premier reverse Forgerette, deuxième reverse Sœur Parasol, et pour finir, une Ex. Petite Sucrène Ex Terra Crystal, magnifique. Oui. Ah, putain, ça fait plaisir de 8. On enchaîne sur le prochain booster une nouvelle fois. Allez, encore du 8, encore du 8. On veut que du 8. Énergie, Flamant Roule, Porygon, Plumeline, Terracool, Flamoutant, Nostanfer, Pierrick, première reverse, Topico, deuxième reverse, Negapi, et pour finir, Yveltal en holo. On enchaîne sur le booster avec Rugilune. Est-ce que Rugilune va nous porter chance? Allez, énergie, Magby, Flamant Roule, Porygon. Ah, c'est des cartes qu'on a, Plumeline, Vitalité de la Professeure Olim, Nigirigon, Oyakata, Floutoutan, Goupilou, et pour finir, c'est une Full Art? Oh, Sarmouraï X Full Art! Sublime! Oh, je pensais pas que c'était une Full Art! Oh, incroyable! Oh, je suis agréablement surpris. Le cadrage m'a l'air pas incroyable, mais magnifique! Next booster avec Garde Fer. Pour le moment, on est en train de chatter. Ça fait plaisir. Énergie. Célutin. Sœur Parasol. Porygon 2. Octillerie. Mascadra. Capsule énergie booster temps passé.
Motorizar, Toxizap. Non. Oh, Meloco Full Art Alternative, magnifique. Double hit. Non, pas de double hit. Oh oui. Oh là là. Mais c'est quoi cet ETB de zinzin? Le TB est magnifique. On enchaîne sur l'avant-dernier booster. Du coup, énergie. On a toujours la même énergie. Compagnol. Terracool. Toxizap. Spinda. Nigirigon. Oyakata. Tully. Première reverse, Nosferalto. Ah, dommage. Forgerette et pour finir. Petit Deoxys holographique. Bon, on a déjà chaté. Est-ce qu'on en demande un petit peu trop? Aussi possible. C'est parti pour le dernier booster. Une dinguerie pour finir. Une dinguerie. Oh, attends, je crois que ça brille. Énergie. À moins que je me suis fait bait. Topico. Scorplan. Larvadar. Chochodil. Crocogrille. Capidextre. Poupée Ronflex. Forgela. Allez. Oh, dommage. Ok, et pour finir... Une ex pour finir, Karchakrok. Altaria ex pour terminer cette ouverture. La carte est encore une fois sublime. Et bah franchement, 9 boosters et je crois qu'on a eu 5 hits. C'est incroyable. Magnifique, je suis trop heureux sa mère. Le récap de ce soir, du coup, on a eu la petite Altaria ex. On a eu la Meloco alternative full art. On a eu le Samouraï ex full art. On a eu également Sucrène X, Terra Crystal. On a eu Terra Cruel en AR. Et évidemment, pour finir, la petite carte promo Haute de Fer. Je suis très très heureux. Ça fait super longtemps que j'ai pas eu une ETB à ce point-là avec énormément de hits. Ça régale, je suis trop heureux. Vraiment, c'est incroyable, les gars.